What's going on guys? Et on se retrouve pour plus de Parasite Eve 2. Donc la dernière fois on s'était juste arrêté là, devant notre petit puzzle. Ah oui, je m'en rappelle. Faut alimenter en fait toutes les... les deux portes. Alors... Hop, on va le foutre là. Ah. Ouais, c'est bon. Yeah. Alors, si je me rappelle bien, on a un boss. Qu'est-ce qu'on a? On a ça. On est bon. Je pense qu'on est bon. Madigan? No answer. Maybe he went different way. Madigan, are you there? Madigan? Uh-oh. Ew. Je l'aime bien cette musique. Alors faire attention à ce qu'il nous saute dessus quand il fait ça, voilà. Oh l'enfoiré. Avance. Et il est là. On va le toucher, je pense, là. Yeah! Si on continue d'avancer, normalement, il ne touche pas. Parce qu'on lui passe à travers, en fait. Comme là. Hop là. Yeah. Mais c'est pas fini. Wait, this is Kyle's. Elle croit en fait que c'est Kyle Madigan qui s'est transformé en monstre. Franchement, moi quand j'ai vu ça, je me suis dit, bah non, c'est pas lui, enfin. Ok, maintenant ça devient chaud. Alors, on a les trucs là qui explosent, les bidons. Oh merde! Oh merde. Je crois que c'est 10 points qu'ils ont. Non, ils ont combien de points? Bon, on va faire comme ça en fait. Oh l'enfoiré. Aouh. Yeah.
Waouh. 282 quand même, juste avec une grenade. Oh merde. Merde. Enfoiré. Non, 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 non. Oh la merde. Ouais. C'est pas toi que j'essaye de tirer. J'essaye de tirer sur le bidon. Qu'est-ce qu'il fait? Il m'attend quelque part, je crois. Je crois qu'il m'attend dans... Ouais, il est là, en face, là. Je crois qu'il faut aller à sa rencontre. Ouais. Boum. Oh non, ça a tiré contre le mur. Oh quelle merde. Bah voilà. Il est pas très dur quand on prend un lance-grenade quand même. Mais c'est un boss un... pas le plus chiant du jeu, mais on va dire... Oui, enfin oui, pour moi je le trouve vraiment chiant quand même. Mais bon. Lance-grenade quoi. J'ai envie d'utiliser un peu le flingue pour changer. Il nous reste combien de grenades? Ah, 15, ça va. Donc on a récupéré le semi-auto 9 mm avec un silencieux et une lampe flash. 120, je crois que c'est celui-là qui a le, ouais, la distance la plus élevée. Et ce qui est pas mal, c'est que... On va le tester un peu, tu vois. On va le tester un peu. Merde. Voilà. Ce qui est bien, c'est que voilà, il y a une lampe attachée en fait. Il a une lampe attachée. Il faut réutiliser le truc là, comment ça s'appelle? Avec les plugs et tout là, le truc électrique. Silencieux ne rajoute rien du tout au niveau gameplay. Hein. C'est pas comme si les monstres ils allaient pas nous entendre ou pas nous attaquer. Donc il y a vraiment rien qui change par rapport au silencieux. J'aurais préféré franchement qu'il n'ait pas de silencieux parce que j'aimais bien le bruit qu'il faisait quand on était avec avec Kyle. Pas si c'est mieux que celui-là ou pas. Oh merde, j'ai pas chargé de munitions. Comme je le disais, il faut charger des munitions sinon...
Par contre, il peut tirer à une super distance, quoi. Donc ça, c'est plutôt cool. On va encore retester un peu entre les deux. Mais bon. Mais voilà, ce flingue, il aurait été bien s'il n'y avait pas eu le silencieux. Enfin, moi, j'ai toujours... Pour moi, je me suis toujours dit qu'il aurait été vachement bien sans silencieux. Aveuglé. Oh non, saloperie. Sur les scorpions, ça marche pas la nécrosis. Je pense que le P229 gagne. Je pense que niveau critique, niveau puissance, ce sont les mêmes. Avec le P08. Après, il n'y a que 12. Un chargeur de 12 dans celui-là. Bon, c'est pas de la merde non plus, c'est quand même bien. Mais je dirais qu'il gagne par rapport à... au fait qu'il y ait une lampe, parce que faut dire que la lampe, elle peut être utile quand même. Elle peut stun certains ennemis, quoi, donc ça nous permet d'avoir des... ou de survivre, ou alors de pouvoir tirer plus. Donc voilà, je dirais qu'il gagne quand même, par rapport aux autres pistolets. Après, niveau puissance, c'est plus ou moins les mêmes. Pas me bouffer la jambe, toi. Qu'est-ce qu'on avait là? Là, on n'avait rien de spécial. Ouais, on n'avait rien de spécial. À la limite, j'ai envie d'utiliser la poche, là. Pour le body, mais bon, je sais pas si ça va être utile, quoi. Ouais, ça va, on va se débrouiller avec ça. Ah oui, il y a le petit chemin sur la gauche. Thank you.
là on va retourner dans la salle. Tout cas changé, je sais plus si c'est non. Ah oui, merde, putain. Je sais plus où faut les mettre. Bien, ça va faire comme ça. Tac. Merde, c'est lequel que j'ai dit? Alors celui-là non, je crois que c'est. Lui. On va tester comme ça. Mon dieu. Tac, tac, tac. C'était pas très dur, hein. En fait. Est-ce qu'elle va raconter quelque chose ou pas? Non. Ouais, bon, ouais, tant qu'on y est. Sauvegarde. Ça fait pas de mal. Donc maintenant, on va pouvoir rentrer dans le refuge. What is this place? Alors ce qu'on peut faire c'est ça. Hop là. Quand je disais que les. Que ce flingue gagnait par défaut à cause de la lampe, je disais vrai. 9 mm fragmentation. Donc là c'est les plus. C'est les munitions les plus puissantes en tant que 9 mm.
falloir récupérer la carte. Il y a l'ascenseur à droite. Et nous, on va aller là. Il y a des... C'est des trucs, des lasers automatiques en fait. Donc dans la... Dans le refuge, il y a des lasers un peu partout. Donc faut faire gaffe. Quelques objets à récupérer. Alors je sais qu'il y a une caisse de 9 mm. On n'en a pas besoin. Je sais pas s'il y a des trucs de soins. Ah voilà. Ouais, on est bon. Alors ça, c'est des trucs qui sont très résistants aux attaques physiques. Voilà, zéro. Par contre, si on utilise Nécrosis, voilà, en gros, ça les tue, quoi. Et on récupère énormément de MP. Voilà, 24. Il n'y avait que 3 trucs, mais ça a fait 24 en tout. Et pour ce qui est des HP, ça copie en fait le nombre de MP qu'on récupère. Je crois qu'il y a quelques trucs à récupérer dans les dortoirs. Pas de trucs à récupérer, non? Lui va se faire shooter, je crois. Non. Hop là. Alors là, on est dans la salle principale en fait. Enfin, dans le couloir principal. Voilà, unlock. Comme ça, on pourra directement passer par là. Alors, on va aller dans une salle. Normalement, c'est impossible de le faire si on n'a pas un objet. C'est une armurerie. Non! Non, dans ce coin de l'armurerie, on peut y aller en fait. Mais il y a une porte ici. Alors, est-ce qu'il y a quelque chose à truc? Je pense pas, non.
Alors ça c'est le magasin de la... du shelter. Il a ça en plus, High Voltage Gun, Stun Gun. Donc je pense pas qu'on le récupère. Ça c'est gratuit pour refaire la batterie. Des flashs. Alors on a l'armure de combat qui a un alors un map qui résiste silence, c'est pas mal. NBC suit résiste poison et paralysie, ça c'est pas mal. Psy suit. Médical inspection et résiste confusion. Alors, médical inspection, en fait, c'est... on voit les HP des ennemis. Je crois pas que ça marche sur... je crois que peut-être que ça marche sur les boss aussi. Donc ça, là, est pas mal. Et 50 MP, c'est beaucoup. Hein. Par contre, c'est que 4, je crois, c'est ça. Ouais, que 4. On pourrait prendre ça et utiliser un... un truc, mais bon, il faudrait retourner au camion. J'ai pas envie. On va prendre le hammer. On va prendre le hammer. Et voilà. Alors maintenant, cette voilà, ça c'est Card Reader. Voilà, slot là. Donc. En fait, ce qu'il faut utiliser là, c'est la carte qu'on a trouvée au tout début du jeu. La carte noire. Celle-là. Hop là. Oups, c'est là. Voilà. Et maintenant, il y a des bons trucs là-dedans. Il y a des très bons trucs. Alors, déjà, voilà, on peut débloquer déjà la porte, ça nous fera un petit raccourci. Et surtout, alors là, on a des buckshots. On est full? Sérieux? Non. Ah ouais, merde. Merde, merde, merde. Ah, belle poche, bah oui, je l'ai sur moi, mais je l'ai récupéré. Putain, j'en ai trouvé une autre, ça. Bon, déjà, le hammer, on peut faire ça. Ah oui, merde. Ah, mon dieu, mon dieu, mon dieu, mon dieu. Ah bah tiens, là, du coup, on pourrait récupérer la psy machin, là. Mais bon, 5, ça fait... Même si on utilise le truc, 5, c'est peu, quand même. Alors maintenant on peut faire ça. Donc maintenant on a l'assaut rifle avec l'heavy stun gun. Par contre le poids est beaucoup plus élevé maintenant. Et le truc, bah déjà elle le prend comme ça. Donc ça va beaucoup moins crit. Ça va beaucoup moins crit. Donc ça c'est juste le truc bête. Le truc bête de l'histoire quoi. Donc là on a des buckshots. Là on a des parabellum mais nous on s'en fout. Et là qu'est-ce qu'on a? Des hydras. Donc on a Hydra Infini, donc ça c'est cool. Là il y a des armes. Donc celui-là il marche pas, et celui-là. Hop là. Le meilleur shootgun du jeu. Le Space. SP12. 12 cartouches, il tire très vite. Donc voilà.
Qu'est-ce que je pourrais faire? On pourrait l'utiliser du coup. On pourrait l'utiliser. Parce que chaque ennemi est un peu vulnérable à certains types d'armes. Donc c'est pas mauvais en fait d'avoir plusieurs types d'armes. On va mettre comme ça, fusil à pompe ici. Voilà. On n'avait pas les capsules, on l'avait utilisé la dernière fois, c'est ça? Ouais, c'est ça. Voilà. On va visiter les autres endroits, enfin, où est-ce qu'on peut aller, parce que... Il y a beaucoup de trucs qui sont bloqués au début. Ça fait mal par contre. Merde, tu m'as silence, saloperie. Le stun est plutôt cool, ça fait quand même pas mal de dégâts. Hop là, on va tester ça un peu. Hop là. Le fusil à pompe va devenir ultra utile. Va devenir ultra utile à un certain point du jeu, vers la fin, on va dire. Parce qu'il y a des ennemis plutôt résistants. Là, on peut voir qu'il y a des sortes de golems qui sont tenus en stase. Ils sont complètement gelés. Et il y a des cartouches perçantes, en fait, qui vont être extrêmement utiles contre ce type de monstre qui sera plus tard. Donc le fusil à pompe, ne pas sous-estimer. Ne pas sous-estimer du tout. On va pas prendre cette porte normalement, on va prendre... Je m'en rappelle plus. On va voir si on peut la prendre ou pas. Ouais, on va pas le faire maintenant. On va d'abord prendre l'ascenseur si on peut. Je me rappelle plus si il marche ou pas en ce moment, l'ascenseur en fait. Ça marche pas. Ok, bon bah on a tout fait, enfin tout ce qu'on pouvait en tout cas. Comme je disais, on commence à avoir beaucoup d'armes du coup là. À utiliser, on a le fusil à pompe, la mitraillette avec le stun gun maintenant avec. Ok.
C'est une c'est un truc de stérilisation. Apparemment, ça marche. Et... Ah, cool. D'accord. C'est pas maintenant. Ok, buckshot, grenade. Ça, les grenades, on va les prendre. Sparta, on n'a pas besoin. Bell, Potch, on n'a pas besoin. Ça non plus. Hop. Je crois qu'on est bon. Je crois qu'on est bon. On va appeler le Mist. Voilà, on leur dit qu'on est... on est au refuge. Weird stuff, man. Weird stuff. It's locked. Go down. Là aussi, c'est lock. Putain. Merde. Si on les tue avec un fusil à pompe avec ses cartouches, il va exploser normalement. Voilà. Plutôt marrant. C'est la petite touche d'explosion. Ils crachent des trucs électriques et ils sont très faibles contre le feu, c'est pour ça qu'ils nous drop des trucs de feu en fait. Je pense que c'est pour nous donner un petit indice. Merde. Mais merde. Voilà. Alors. Là on a des ascenseurs on peut qui marchent pas pour l'instant, je crois bien.
Voilà. Oh. Oh oh. Ah putain. Paralysie, c'est chiant. Elle va faire ça de temps en temps, comme ça on peut rien faire. Oh putain! Tire vite ces merdes en plus. On a bien fait de faire cette zone. Ok, maintenant on va aller là. Ou pas. Là ou pas. Donc il reste plus qu'un endroit. Il y a plein d'animaux bizarres apparemment. Là il y a un truc, une caisse de munitions de 9 mm encore, mais bon, on s'en fout. Ah, oh saloperie. Ça critique plus, hein. Franchement, je crois qu'on peut même pas l'enlever, le hammer. Je crois qu'il faudrait remettre les chargeurs, je pense. Ouh. Je crois qu'on a pris des dégâts. Du coup. Parce que c'est une cinématique, mais je pense qu'on. Y a deux cinématiques comme ça dans ce jeu. Et on peut prendre des dégâts, je crois. Sloked. Donc apparemment, ce monstre parle. Ouais. Donc il y a que ça qui sont revenus. Franchement, je pense que je vais... je vais pas utiliser le stun. Merde, merde, merde. Oh la vache.
pas touché. Parce que le stun gun, il est pas ultra... On va dire qu'il est bien pour plus tard, encore une fois. Certains ennemis, enfin, tout ce qu'on... Si on peut stun... et tout, si on a des armes un peu spéciales qui font des effets spéciaux, ça marche. Mais là, bof. Voilà. Ouais, on va remettre les... J'espère qu'on peut, je pense qu'on peut... remettre les chargeurs en plus. En bas de l'ascenseur, ça paraît apparu, rien. Non. On va aller voir quand même. Le petit ascenseur là. Je sais pas si les. Comment ça s'appelle? Les mitrailleuses là, les tourelles automatiques comptent dans le pourcentage. Je pense que c'est le pourcentage de monstres, c'est que des monstres en fait. En gros, c'est si on est un super hunter NMC machin. Je pense que c'est comme ça. Ça, on peut pas y aller encore. Ouais, y a personne. Ouais, on va vite remettre les chargeurs parce que ça... les critiques me manquent en fait. Parce que les critiques avec ça, ça fait quand même super mal. Donc là, en fait, ce qu'on est en train de faire, c'est remonter pour aller attaquer le monstre, enfin le monstre qui nous a tapé là, pour aller voir ce qui se passe. Là, elle vient de dire que la marque qu'il y a sur la porte, ça vient de son rêve, donc c'est pas un rêve quoi, ça s'est vraiment passé. Alors, est-ce qu'on peut remettre ça, j'espère. Yes. Donc là, on est reparti au plus 1. Il fait combien le poids? 274. Et on peut vraiment pas enlever, quoi. Ça, c'est chiant. Je sais pas si ça influe vraiment avoir un ou deux chargeurs. On va mettre deux. Parce que bon, on a vu du très bon résultat avec deux, donc bon. Mais ouais, c'est vrai que c'est un peu emmerdant, quoi. Donc on va mettre ça là. Firefly, on va peut-être les garder pour l'instant. Est-ce que le pistolet, on va l'utiliser ? Oui, c'est possible qu'on l'utilise encore.
Y a tout plein de... Y a trop de trucs en fait dans le jeu. C'est vrai que c'est un peu... Hop. Comme ça, si on en trouve dans, pendant qu'on, dans notre périple. Ça, on n'en a pas besoin. Voilà, on a combien de place? 3. Ah ben putain. Par contre, on a des trucs de soins, donc on va pouvoir les enlever. Voilà. Et voilà. Donc là, tout est fermé. Faut passer par là. Sinon on crève. Here goes nothing. Pfff. Oups. Non. Une caisse de munitions. Non, on s'en fout. Hydra. Et voilà, le gros boss. Oh putain, j'ai pas de truc de soin, de dash, de MP. Alors ce qui est chiant lui, c'est qu'il aspire comme ça. Ah, ça c'est con. Ah, ça fait mal ça. Alors il faut vite les tuer. Que s'il les aspire, il va regagner de la vie et il va pouvoir faire une attaque aussi spéciale. On va tester un peu les autres armes. Merde. Ouf.
Ow. Ça va, ça marche pas mal. Le fusil à pompe. J'ai vraiment envie de reprendre après qu'on si on sort d'ici vivant, d'y aller pour. Récupérer l'autre truc. Comment ça s'appelle? Comment ça s'appelle? L'autre body. Si je me rappelle bien, en fait, ça c'était un singe. Je me rappelle bien, en fait, qui a muté tout ça. Donc là, il y a plusieurs façons de le tuer. J'aime bien le coup de la fumée. Il y a le truc normal. Ça maintenant c'est nouveau. Oh la vache. Oh merde. Ça marche plutôt bien hein, le fusil à pompe. L'autre façon, c'est de l'écraser avec un mécanisme. Je le montrerai après. Yeah. Mais je crois qu'on gagne plus de points comme ça. Là, dans 5 minutes, ça va. Le truc va être incinéré. Alors d'abord, on va. Qu'est-ce qu'on a récupéré? Une bouteille. Eau de toilette. Mais bon, on n'a pas le temps pour l'instant. Alors, normalement, c'est pas l'endroit où c'est qu'il faut aller.
Mais là, il y a un objet très important. Très très important. Voilà. Donc voilà, ça c'est la terre, je crois, ça augmente un pouvoir de la terre, mais ça donne des drops en plus. Par contre, va falloir se grouiller parce que dans 5 minutes, on est mort. Voilà. Ah, là on a vu. On a vu qu'il y avait. En fait, je l'ai passé parce que je suis allé trop vite. Parce qu'on va crever. on avait objet bonus. Vraiment se bouger là-bas. Allez. Oh mon Dieu. Oh putain. C'est ça le truc en fait. Oh putain, j'aurais dû le faire avant, merde. 2 minutes. En fait, il faut passer par ça, et après, le monstre, il faut l'attirer sur cet élevé et truc. sur ce cargo là, machin là. Et après, il va tomber, on va pouvoir l'écraser. Mais je crois qu'on gagne moins de d'XP et tout ça. Ou alors pas d'objet ou un truc comme ça. Yeah, Kyle.
du cheval. For better, for worse. Donc apparemment il est tombé, machin, et... Et il est tombé en fait sur le gros cheval, machin, là. Qu'on a tué, c'est pour ça qu'il y avait son flingue dessus. What? Hey. Oh la vache, il est marrant. Ok, maintenant on a Kyle avec un M4A1 lance-flamme. Donc ça c'est plutôt cool. Par contre on est plein. Bon, en tout cas on va s'arrêter ici parce que là on a fait une bonne partie. On a fait une bonne partie. Donc voilà, maintenant on a récupéré l'objet le plus important du jeu, en fait, c'est ça. Hein. Medicine Wheel, c'est extrêmement bien. Ça nous permet de récupérer énormément d'objets comparé à... Enfin voilà, aux drops normaux, quoi. Ça augmente à chaque fois, c'est vachement bien. Voilà. Ça, eau de toilette, ça nous met en berserk. Berserk, c'est on fait plus de dégâts. Par contre, on perd de HP petit à petit, on a un dot sur nous. Et quand on utilise de la magie, ça consomme des HP au lieu des MP, je crois bien. Ouais, je crois que ça marche comme ça. Donc bon, c'est un peu la merde. En tout cas, voilà. Donc on va s'arrêter là. Merci de devoir regarder. Et nous, on se retrouve la prochaine fois. Je vais peut-être acheter... la psy suit après, on va voir ce qu'on va faire. Voilà. Ah non, non, je vais pas le faire parce que bientôt il y a quelque chose qui se passe. Voilà, on va pouvoir retourner aussi à Dryfield. Voilà, merci d'avoir regardé et à la prochaine. Salut, ciao.